Ça fait du bien de voir Boutmy bonder pour un si bel événement. Merci à vous d'être là. Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, Madame la Ministre, chère Corinne Lepage, messieurs les doyens de l'École de droit et d'affaires publiques, chercheurs et enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, ce matin, vous le savez peut-être, avait lieu la cérémonie religieuse en hommage à Bruno Latour, philosophe, anthropologue, qui a été directeur scientifique de notre institution pendant de nombreuses années. Il nous a quittés il y a quelques jours. Présenté comme inclassable, l'œuvre scientifique et intellectuelle de Bruno Latour est surtout originale, puissante, foisonnante et inspirante. Elle se décline de mille façons et trouve sa source dans la philosophie, la sociologie, les sciences, l'anthropologie, la pensée politique et bien sûr les arts. Au cœur de son œuvre, dominée par sa passion de transmettre, se trouve la question environnementale et celle, évidemment, des droits humains. Dans un rapport rédigé il y a quelques années pour Sciences Po, Bruno Latour invitait notre institution à adopter une démarche globale pour faire des transformations environnementales et de la prise en compte des droits humains l'épicentre de notre projet universitaire. C'est devenu mon projet. Il nous rappelait, je le cite, que nous étions confrontés à l'irruption de la planète comme acteur à part entière, réagissant aux actions humaines, ce qui entraîne une fusion des questions classiques de géopolitique, de relations internationales, avec celles, toutes nouvelles, de géologie, de climatologie, de biologie et plus généralement de réaction du système Terre. Alors ce soir, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, chers amis, je suis particulièrement heureux de me tenir devant vous en Boutmy pour ce moment important. Il y a quelques instants, en votre nom, en notre nom, j'ai signé la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Cette déclaration a été initiée en 2015 sous l'égide du président François Hollande, que je remercie très sincèrement et très chaleureusement d'être avec nous. Et cette déclaration propose en fait de créer une interdépendance entre les espèces vivantes, d'assurer leur droit à exister et le droit de l'humanité de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable et responsable. Monsieur le Président de la République, 2015 marque aussi une date très importante puisque vous avez permis la signature des accords de Paris, de la COP21, qui constitue un jalon essentiel dans l'histoire internationale, pas seulement nationale, internationale, de la prise en compte des actions à mener pour lutter contre le changement climatique. Madame la Ministre, chère Corinne, vous avez été toute votre vie une inlassable défenseur de la planète, à la fois en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, mais aussi en tant qu'avocate, défendant les intérêts de l'écologie. Vous avez aussi enseigné à Sciences Po pendant plusieurs décennies et vous menez un combat actif sur la question des OGM. Pour revenir à cette déclaration, si elle n'est pas une convention, elle dessine néanmoins les droits et devoirs d'une humanité retrouvée. Elle n'est pas une utopie, elle est une direction, une boussole. Ces dernières années, nous avons vu fleurir l'expression de génération future. Évidemment, il y a des implications juridiques à ce terme. Simplement, je crois que quand on voit le rapport du GIEC, il faut s'interroger sur ce terme de génération future, car il y a urgence. Il ne faut pas parler de génération future pour avoir une sorte de manœuvre dilatoire et repousser les actions à mener. Je pense que nous sommes, vous êtes, maintenant, ici et maintenant, ces générations. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter, disait Edgar Faure. Faisons-le mentir ce soir, montrons que nous sommes en capacité de faire autrement et d'agir autrement. La signature de cette déclaration, certes symbolique, prend part à un mouvement d'ampleur avec une dimension internationale, pour renforcer la place des transformations environnementales et planétaires au sein de notre établissement. Je ne vais pas vous faire la litanie de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous allons faire, mais il faut savoir que nous avons d'ores et déjà institué un cours obligatoire de 24 heures sur les transitions environnementales pour les premières années. Nous faisons en sorte aussi que tous les masters, toutes les écoles puissent prendre en compte cette dimension environnementale. Nous avons même une école du management et de l'innovation qui est devenue école du management et de l'impact. Nous avons d'ores et déjà une quarantaine de thèses sur le sujet des transitions environnementales et des limites planétaires. Et nous allons embaucher dans les prochaines années une trentaine de chercheurs sur ces sujets pour faire de Sciences Po un vrai fer de lance de réflexion, de recherche et d'action en matière de transition environnementale. Chers amis, je ne serai pas plus long. Un grand merci encore une fois à vous, Monsieur le Président de la République, pour votre présence, à Madame la Ministre, chère Corinne, pour ton infatigable lutte pour l'écologie et pour préserver les limites planétaires,
Un grand merci aussi évidemment à l'équipe organisatrice et aux panélistes ce soir. À travers cette Déclaration universelle des droits de l'humanité, nous allons, vous allez, discuter de la préservation de nos biens communs et nous allons, vous allez, discuter de notre rôle collectif pour réparer le monde. Je vous remercie. Bien, monsieur le directeur, je me félicite que Sciences Po ait adhéré à la déclaration que Corinne Lepage porte depuis déjà des années et que vous rejoignez d'autres États et d'autres institutions. Car il y a eu des États qui ont adhéré à la déclaration, il y a eu des collectivités locales et il y a aussi de grandes institutions qui partagent les principes, les droits et les devoirs que contient cette déclaration. Il se trouve que j'étais président de la République et que je préparais la COP21, et Corinne Lepage, dont chacun connaît l'abnégation, connaît aussi l'entêtement, connaît aussi la détermination, faisait mon siège depuis déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, pour me dire qu'il fallait, en amont même de cette conférence, porter aussi des principes juridiques qui puissent être, à un moment ou à un autre, intégrés dans ce que les chefs d'État, de gouvernement, pouvaient, au cours de cette conférence climatique, adopter comme engagement. Qu'il puisse y avoir, non pas en surplomb, mais en complément, une déclaration qui puisse, comme celle de 1948 pour les droits de l'homme, inscrire des droits de l'humanité pour elle-même. Et donc, ce travail a été mené à mon initiative auprès de Corinne Lepage et de ses équipes, et quelques semaines plus tard, cette déclaration a été rédigée, et aujourd'hui, elle est partagée. Elle n'a pas été un élément de négociation au cours de la conférence sur le climat, elle est venue s'ajouter à ces travaux et faire qu'il puisse y avoir dans les instances, et notamment dans celle des Nations Unies, une référence qui puisse valoir autant qu'il est possible comme élément de droit. Le droit fait partie de ce que le combat climatique exige. Un des défauts, et ça a été relevé, de la conférence de décembre 2015, c'est que les engagements pris par les États au cours de ce qu'on appelait la COP21, c'était des engagements qui n'avaient pas de sanctions lorsqu'ils n'étaient pas respectés. Donc c'était autant, c'est vrai, de déclarations fortes, autant de messages adressés au monde, autant d'agrégations d'intentions qui laissaient supposer qu'on puisse réduire l'ampleur du réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Certains allaient même jusqu'à dire 1,5 degrés Celsius. Donc, ça n'avait pas de contrainte pour les États, mais néanmoins, c'est aussi des arguments à l'intérieur de chacun des pays et aussi au plan international pour rappeler au devoir les États qui ne comprennent pas qu'un engagement mérite d'être respecté. Donc le droit doit faire partie du combat, de la même manière que l'on puisse utiliser cette déclaration devant les tribunaux, puisque vous avez sans doute compris que même les États peuvent être poursuivis pour inaction climatique. Donc dès lors qu'il y a ce procès possible, cette mise en cause, cette exigence de responsabilité, d'avoir des textes qui puissent servir de normes ou de références pour en juger. Et puis, il y a aussi ce que les citoyens peuvent faire, j'allais dire, pour s'emparer de ces droits ou ces devoirs ou de ces principes, pour agir dans le cadre d'organisations non gouvernementales, d'associations, et pour faire prévaloir un certain nombre d'objectifs. Je laisse Corinne vous faire la démonstration que ce travail n'est pas simplement académique, ne serait pas seulement l'affaire
de personnalités, certes engagées, mais qui veulent simplement accompagner. Non, c'est un travail qui sert pour que l'ensemble de tous ceux qui travaillent pour que nous puissions avoir une planète vivable s'en emparent et exigent. Je vais vous dire juste quelques mots sur la COP21 et ses suites. La COP21 a été un succès parce qu'elle a permis non seulement d'avoir ses engagements, mais aussi des promesses de transfert aux pays les plus fragiles, aux plus vulnérables, et des principes et des concepts, des notions qui ont pu être avalisées par l'ensemble de la communauté internationale. C'était d'autant plus important qu'ensuite, l'Assemblée générale des Nations unies s'en est emparée et que les États ont chacun de leur façon, de leur manière, selon les règles et les procédures, approuvé les accords de Paris. Mais s'il y a eu ce succès, c'est parce que les États-Unis, avec la présidence Obama, étaient engagés, surtout après l'échec de Copenhague qui avait eu lieu en 2009. C'est parce que la Chine était également convaincue qu'une des... un des risques possibles pour la stabilité du régime chinois était l'insupportabilité du régime climatique qui pouvait renverser le régime lui-même, et parce que les pays européens ont été, notamment l'Allemagne, convaincus qu'il en fallait terminer avec l'usage inapproprié du charbon. Enfin, les pays, et c'était le plus difficile, les pays africains, asiatiques, ceux qui étaient déjà menacés, voire même déjà frappés par le réchauffement climatique, ont pu adhérer à la COP parce que promesse leur était faite qu'il y aurait un accompagnement, une adaptation, et que les pays les plus développés mettraient un fonds à leur disposition de 100 milliards de dollars par an. Et qu'il y aurait aussi une compensation de ce qu'on appelle les pertes et les dommages. La Russie, à l'époque, était déjà frappée de discrédit à cause de la première guerre en Ukraine. Enfin, on pensait que c'était la dernière, mais c'était la première. Et Poutine n'était pas un élément parasitant à ce niveau-là, sur le plan climatique. Et enfin, parce que des pays comme l'Inde, la Turquie, qui étaient extrêmement réticents, même le Brésil, s'étaient convaincus qu'ils pourraient obtenir des financements si le vote, en tout cas le consensus, était réuni. Depuis, il n'y a plus cette conjonction de facteurs. Toutes les COP qui se sont réunies ont été en fait des déceptions. Même celle de Glasgow n'a pas donné, sur le plan des renforcements d'engagement, ce que l'on pouvait espérer. Et les conjonctions maintenant pour la convention qui va se tenir à Sharm el-Sheikh en Égypte, les configurations ne sont pas parfaitement alignées, puisque nous avons à la fois des États-Unis qui, certes, ont fait voter une loi très importante grâce à Joe Biden, mais avec l'hypothèque des élections de novembre au Congrès, et avec une montée très forte du lobby pétrolier et gazier. Parallèlement, la Chine, même si dans le discours de Xi Jinping, qui ne vous a pas échappé, bien sûr, il y a, parmi beaucoup d'actes d'affirmation et de détermination, un seul point sur lequel nous pouvons trouver une convergence, c'est précisément qu'il considère qu'il ne faut relâcher aucun effort sur le plan climatique, même si, parallèlement, il continue d'ouvrir des centrales au charbon un peu partout. L'Europe, elle, est confrontée à une crise de l'énergie et réouvre aussi des centrales au charbon et cherche du gaz naturel liquéfié des États-Unis ou d'autres pays avec une empreinte carbone bien supérieure à ce que pouvaient être les approvisionnements jusque-là. Et la crainte de pénurie ajoute encore à une certaine réserve pour prendre d'autres engagements. Les pays africains et les pays asiatiques, mais je parle surtout des pays africains, ne peuvent plus accepter d'avoir été, d'une certaine façon, non pas trompés, mais frustrés de ne pas avoir eu les fonds qui leur étaient promis.
Donc il est possible que cette conférence, où la notion de pertes et de dommages va être précisée, c'est-à-dire de savoir quelle est la responsabilité des pays développés dans les situations climatiques que connaissent les pays qui n'ont pas eu pour l'instant de développement comparable. Bon, cette question-là va être principale parce que toutes les autres ne peuvent pas être des avancées. Alors voilà pourquoi il est très important de reprendre le combat. Ce combat-là, il est celui des États, de ceux qui sont les plus impliqués. Il est aussi celui des groupes comme ceux que Corinne a formés, et puis aussi des organisations non gouvernementales et des institutions et des collectivités et de tous ceux qui ont un engagement qui leur paraît essentiel sur le climat. Arrivent néanmoins les conséquences de la guerre en Ukraine et notamment la crise de l'énergie, avec des prix aussi bien pour le pétrole, même si le pétrole obéit à d'autres logiques que celles simplement liées à la guerre en Ukraine, et le prix du gaz et le prix des énergies en général est particulièrement élevé. Ça entraîne, on sait, des conséquences sociales qui peuvent avoir quelques effets de mobilisation, de perte de pouvoir d'achat, mais ça entraîne aussi une prise de décision qui n'est pas forcément heureuse pour le climat. J'ai évoqué les choix qui peuvent être faits pour diversifier les approvisionnements ou pour continuer à avoir du gaz et même du charbon. Et je me dis, puisque j'avais votre âge en 1974, quand il y a eu la première crise pétrolière, et les États, et notamment le nôtre, avaient pris des décisions assez courageuses à l'époque, même si tout ça peut paraître relatif, parce que la prise de conscience dans les années 70 était déjà très forte sur les questions climatiques, ou en tout cas sur les questions de croissance prédatrice. Il y a eu des rapports qui sont tombés dans l'oubli, de Sico Mansholt, le Club de Rome, qui avait évoqué les conséquences que pouvait avoir une croissance qui n'était pas maîtrisée sur les ressources naturelles. Et quand arrive la crise pétrolière, en fait il y en aura deux, eh bien, il y a des mesures de sobriété extrêmement rudes qui ont été adoptées à ce moment-là. Et quand je vois en comparaison ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, nous sommes très loin même du compte par rapport à l'exigence de sobriété. Sans doute y aura-t-il, je l'espère, d'autres décisions. Mais nous ne sommes pas conséquents par rapport à ce que les prix devraient indiquer. Si l'on pense qu'ils vont être durables, ces prix, c'est-à-dire à un niveau élevé. Et s'ils devaient baisser, puisque la guerre, heureusement, ne sera pas forcément éternelle, on peut l'espérer, il y aura de toute façon la nécessité de taxer le carbone, en tout cas de donner un prix au carbone. Donc nous allons vivre pendant des années avec des prix de l'énergie qui vont être élevés et qui vont donc justifier que nous puissions accélérer encore notre mutation énergétique, industrielle, et donc notre mutation écologique. Et c'est pour ça que, à la fois, ce qui se passe en ce moment est extrêmement éprouvant parce qu'il y a une guerre, éprouvant parce qu'il y a des conséquences économiques, donc sociales, éprouvant parce que les prix ont repris une progression. Vous êtes une génération qui n'avait jamais connu l'inflation. Elle était à 10 ou 15% lorsque j'avais votre âge. Et donc nous avons un certain nombre de conséquences qui viennent là de cette guerre, pas seulement de cette guerre, et ça devrait être un facteur d'accélération de nos choix et de nos politiques. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais être présent ici à côté de Corinne Lepage, parce qu'en émettant des droits, en fixant des principes, en étant clair sur les devoirs, nous devons penser aussi aux effets concrets de ces principes et de ces politiques. Alors si Sciences Po peut par ailleurs être un centre de recherche, un centre d'évaluation des politiques climatiques, eh bien, tout espoir n'est pas perdu. Merci. Monsieur le Président de la République,
Monsieur le directeur, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Mathias Vichra de nous accueillir pour cette belle manifestation et surtout pour avoir accepté que Sciences Po signe la déclaration. Certes, ce n'est pas le premier organisme universitaire à le faire, mais sa notoriété, sa puissance d'entraînement en France et à l'étranger donnent un nouvel élan à ce texte. Je voudrais dire également au président Hollande ma reconnaissance, d'abord pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant cette mission de rédaction, ensuite pour le soutien, dans un univers public un peu hostile, qu'il a toujours accordé à ce texte et à sa diffusion, et enfin pour sa présence aujourd'hui. Ma reconnaissance va bien entendu au co-auteur de la déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai écrite toute seule, et je voudrais citer en particulier Bettina Laville, les professeurs Delzangle et Lavieille, Émilie Gaillard, Catherine Lebris, Nicolas Imbert, Ahmed Alami, François Damerval, avec une mention particulière pour Christian Huglot, qui m'a accompagnée constamment. Cette reconnaissance s'étend à tous ceux qui ont rendu possible la diffusion de la Déclaration et la vie de l'Association des Amis de la Déclaration des Droits de l'Humanité, qui bénéficie désormais du statut éco-soc aux Nations Unies. Mes remerciements vont en particulier à Jean-Louis Servan-Schreiber, qui aurait été si heureux d'être avec nous aujourd'hui, Christophe Giavonetti, Bettina Laville, Ricardo Espinoza, Madeleine Gilbert, Driss Guéraoui, Yacouba Savadago, Carlos Moreno, Geneviève Maillet, Yannick Monget, ainsi que tous ceux qui nous ont accompagnés, y compris nos 80 ambassadeurs dans le monde et nos jeunes ambassadeurs, ainsi que nos partenaires, les maisons de la francophonie, Africa 21 et Green Cross. La Déclaration universelle des droits de l'humanité est un texte très clair comprenant 4 principes. La responsabilité, vous en avez parlé, Monsieur le Président de la République, il y a un instant. La dignité. L'équité intergénérationnelle, qui devrait être aujourd'hui un principe fondamental, et la pérennité du vivant. Elle fixe 6 droits et 6 devoirs, ce qui est assez original pour une déclaration. Et ce texte, François Gémen a pu dire qu'il était un texte fondateur de l'Anthropocène. De nombreux auteurs ont écrit sur cette déclaration, de le professeur Diane Roman, qui écrit à propos du texte qu'on y reconnaît les forces imaginantes du droit en action. Affirmer que les droits de l'humanité et des générations futures est séduisant en ce que cette formulation pose dans le vocabulaire des droits humains les principes de responsabilité et d'intérêt général. Et force est de constater que grâce au soutien de plusieurs personnalités, la déclaration est aujourd'hui reconnue par de très nombreuses villes, universités, barreaux, plus de 80 organisations non gouvernementales et de très nombreuses entreprises. Je voudrais dire là ma reconnaissance aux premiers élus qui ont osé signer la déclaration. Roland Ries, à l'époque maire de Strasbourg, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui ont signé le texte et entraîné dans leur sillage de nombreuses villes et des mégalopoles comme Philadelphie, San Francisco, Madrid ou Copenhague. La signature par l'association Cité et Groupements Locaux Unis de la déclaration en 2019 à Durban permet la reconnaissance du texte par plus de 260 000 villes dans le monde, représentant plus de 5 milliards d'individus. Et la secrétaire générale de CGLU, Mme Seyss, aurait été là si elle n'était pas à l'heure qu'il est dans l'avion revenant du Congrès mondial. J'y ajouterai l'Association internationale des maires francophones, celle des parlementaires de la Méditerranée, tout le barreau français, une vingtaine d'autres barreaux, dont le barreau européen. Et puis de très nombreuses personnalités du monde entier, politiques, scientifiques, juridiques, j'en vois quelques-uns dans la salle, philosophes, religieux, que je remercie également. Dans le monde tragique dans lequel nous vivons, nous savons tous, même si certains ne veulent pas l'admettre, que nous devons changer de paradigme, c'est-à-dire de représentation de notre imaginaire collectif. Et le droit se situe précisément à la charnière de l'éthique et de la pratique. Et c'est en cela que la déclaration peut jouer un rôle dans les transformations à venir, vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec vos mots il y a un instant. Pour cela, elle dispose de 3 atouts. Elle dessine d'abord un nouvel imaginaire juridique en prolongeant la Déclaration universelle des droits de l'homme pour mettre à disposition un texte qui dessine un avenir désirable et possible à la jonction des principes éthiques et du droit. Comme le note le spécialiste des sciences Sébastien Boller, nous semblons d'une certaine manière biologiquement programmés pour chercher du sens dans le monde qui nous entoure. Le concept d'humanité implique le recours à un imaginaire collectif et à la coopération, comme le rappelle Yuval Noah Harari dans Sapiens, une histoire de l'humanité. En se plaçant dans l'éthique telle que pensée par Spinoza, c'est-à-dire la recherche du bonheur par la réalisation de notre désir, nous pouvons inventer des imaginaires de reliance
et de réparation du monde, et c'est dans cette logique qu'est conçu le texte. En second lieu, elle intègre les grands enjeux de l'humanité à partir de cette nouvelle reliance entre l'humain et le vivant non humain, d'une part, les générations présentes et les générations futures, d'autre part, la reconnaissance aux espèces vivantes du droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable, au même titre que les humains est une innovation incontestable, au même titre que la reconnaissance de la préservation et de la gestion durable des biens communs. Mais les enjeux traités par la DDHU dépassent les questions propres à l'écologie telles qu'on la définit habituellement pour intégrer les sujets du sens du progrès technologique et de la paix. À cet égard, la référence dans le texte de la Déclaration à la sécurité humaine, particulièrement utile lorsqu'on observe la tragédie ukrainienne, n'est pas innocente. Comme le note le professeur Fernandez dans le commentaire qu'il a fait de ce texte, cet article vient transcender certaines obligations interétatiques classiques en en faisant des revendications légitimes de l'humanité dans son ensemble. Il sert en quelque sorte de pont entre le régime de sécurité collective mis en place par la Charte et le droit international des droits de l'homme affirmé par plusieurs conventions. Une nouvelle approche des crises et des conflits multisectoriels semble plus appropriée et la référence à la sécurité humaine fait la part belle à la condition des individus comme ressort décisif de la paix et la sécurité internationale. C'est du reste au nom de la sécurité humaine que l'on a pu se voir développer des concepts comme la responsabilité de protéger ou le devoir d'ingérence. Enfin, la procédure de reconnaissance de la déclaration est originale, en ce que si l'élaboration de la charte trouve sa source dans une lettre de mission présidentielle, et je vous en remercie encore, Monsieur le Président, son écriture et surtout la procédure d'adhésion sont portées, à l'heure qu'il est, uniquement par la société civile. Certes, l'objectif ultime est de faire reconnaître la déclaration au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, mais dans l'écriture actuelle du droit, particulièrement dans le cadre de la justice climatique, la DDHU peut être la source d'un engagement extrêmement concret, adaptable en fonction des systèmes juridiques et des zones géographiques, mais reposant sur une éthique partagée. En conclusion, la déclaration peut paraître utopique, mais des imaginaires au départ purement idéaux et virtuels peuvent créer des réalités concrètes et produire des effets réels. Il s'agit en réalité d'accepter de redéfinir de nouvelles normes socialement vertueuses, source de satisfaction, en s'appuyant sur notre désir instinctif de prestige et donc capable de changer notre imaginaire collectif. Maurice Godelier rappelle que ce sont toujours des jugements de valeur qui affirment la légitimité de l'ordre au sein d'une société, qui amène les membres de cette société à l'accepter ou à la contester. Si nous souhaitons faire face aux crises systémiques et changer de paradigme, la révolution des valeurs partagées est incontournable. Les récits dominants sont aujourd'hui dystopiques et profondément négatifs, comme du reste le récit de l'effondrement. Pour répondre à la nostalgie décrite par Glenn Albrecht dans Les émotions de la Terre, il est urgent de définir un futur souhaitable, c'est-à-dire de reprendre la définition de Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des futurs souhaitables, un futur inspirant pour le plus grand nombre et enthousiasmant. Il ne faut donc pas des imaginaires fermés, dogmatiques et impérialistes, mais des imaginaires ouverts. La déclaration permet précisément d'ouvrir ce champ des possibles, et c'est à nous tous, et plus spécialement à vous les jeunes générations, de faire en sorte que l'on passe de la parole aux actes, car le droit est un outil efficace. À vous revient cette œuvre plus qu'historique, celle de transformer le monde pour assurer la pérennité du vivant humain et non humain et de mettre progressivement en place les outils politiques, sociétaux et juridiques indispensables. J'espère, nous espérons tous, que la Déclaration universelle des droits de l'humanité pourra vous y aider. Merci. Bonjour à tous, ici Philippe Sainz, je suis vraiment désolé que je ne peux pas être avec vous pendant ces jours. Je suis à Hambourg où je plaide dans un procès entre Maurice et les Maldives, au tribunal du droit de la mer. Je suis fortement intéressé en tout ce qui concerne les relations entre les droits de l'homme et l'environnement. En fait, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille là-dessus. Ça m'a toujours paru un peu bizarre
que ces deux domaines de droit international ont pris une direction qui ne se sont pas concertés. Et c'est bien le moment de le faire. C'est bien le moment d'imaginer une déclaration qui peut rassembler ces demandes humaines, ces demandes humaines pour protéger non seulement les droits des hommes, des femmes, de toute personne, mais aussi le droit de l'environnement. Ce que je cherche, moi personnellement, dans mon travail en ce moment, c'est d'ouvrir la porte à une approche qui est moins anthropocène et plus écocentrique, qui ouvre la possibilité à imaginer qu'on peut protéger l'environnement, nos écosystèmes, pour eux-mêmes, et pas seulement pour protéger l'être humain. Mais bien sûr, les droits de l'homme, c'est aussi un moyen de protéger l'environnement, d'utiliser comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a fait depuis assez longtemps, je pense, au jugement dans l'affaire de López Ostra. Mais là, nous sommes à un moment où on a compris que l'environnement est vraiment sous attaque et on doit vraiment trouver tous les moyens possibles pour s'accrocher au challenge que nous avons maintenant devant nous. Et pour moi, personnellement, je m'appuie fortement à ces idées dans cette nouvelle déclaration, y compris une déclaration des droits humains. Désolé de ne pas être avec vous, mais je soutiens absolument vos travaux dans ce domaine de grande importance. Merci Corinne Lepage pour tout ce que vous faites. Merci et une très bonne journée à tous. Hello to all my friends in Paris, and especially hello and greetings to Corinne Lepage, my dear friend. I'd like to thank Corinne and everybody on this team around the world who prepared this very important document on the Universal Declaration of Humankind Rights. This is the appropriate time for this declaration to be spread all over the world. We're facing unparalleled situation. We are in an extinction event. And our scientists are telling us we could lose over half the species on Earth in the coming decades. The last time we had an extinction on this planet was 65 million years ago. So now we're talking about a rewilding planet in the lifetime of our children. And we're talking about the floods, the droughts, the heat waves, the wildfires, the hurricanes, that are devastating ecosystems, destroying property, and many people have died. So this is the time we have to come together. And of course, at this very moment, we see a lot of division in the world and a lot of concern. People are frightened, people are scared, and people are driven to not attend to the future. This declaration is a beautiful document. It says we can do better than this. And let me explain why I'm somewhat hopeful that this Universal Declaration of Humankind Rights will have a very big audience among the very young generation who will have to address these questions on how do we survive and flourish in new ways in a climate-changing world. You know, I was following the Friday for Future demonstrations around the world, where millions and millions of young people in over 140 nations would take off their Friday school sessions and go out into the streets and call for a climate emergency. They're still doing it. And it took a while for me to understand the full implications of these massive demonstrations of 16-year-olds, 17-year-olds, 18-year-old young people saying we have to address climate change as an emergency. And it finally dawned on me that these protests of young people in the Fridays for Futures is unlike any protest in history. This is the first time that an entire generation of young people across all of the political boundaries and religious boundaries and social boundaries of life have come together on the streets, millions of them, and they're coming together as a species to
They're beginning to see themselves as a species and eliminating all of the others in history. We've never had a mass protest of this scale where a younger generation or any generation has come out as a species. And they see themselves as an endangered species. And even more so, they see their fellow creatures as part of their evolutionary family. This is a potential transformation in consciousness that we've not seen in human history. And so right as this is happening, and a younger generation is starting to think of itself as an endangered species, our fellow creatures as part of our evolutionary family, comes this declaration. So the Universal Declaration of Humankind Rights, it's really the declaration of a younger generation. It should be spread everywhere. It should be introduced in our schools and places where we work, in our civic organizations, in our neighborhood day-to-day activity. So we can begin to realize that we have a strong suit. We have empathic impulse in our neural circuitry. We have the ability to experience and feel, if you will, another person's desire to flourish as if we're our own. And not only other human beings, we have an empathic impulse in our neural circuitry, which we call biophilia, allowing us to feel the desire of other species to flourish on this planet as well. That's our strong suit. And that's what allows us to take a declaration like this, the Universal Declaration of Humankind Rights, and say, this is who we are. We live on a planet where there's life in the universe, and we don't know if there's any other life out there, and it's too precious to waste. We certainly want to survive, but in new ways so we can flourish as a family. Not only our family, the human family, but our rest of our family, all the other species who inhabit this beautiful, animated, blue marble we call planet Earth. So congratulations to all of you who have put this together, painstakingly working on this over the years. I hope it has a wide audience. I certainly will discuss it wherever I am. So let's make sure the Universal Declaration of Humankind Rights becomes the day-to-day way we live in terms of our economy, our governance, our social life, our family life, so that we can allow future generations to enjoy and experience and flourish in life as well on this wonderful planet. Thank you. Je vais inviter nos panélistes à nous rejoindre. Dominique Bourg, David Canter, Asmik Barzegian, si vous voulez bien nous rejoindre à la tribune. Donc, nous avons une petite heure devant nous. On va faire un petit peu de table ronde et ensuite, je proposerai que le micro tourne et que si vous souhaitez poser des questions aux uns aux autres, eh bien, vous puissiez, bien entendu, le faire. Alors, cette table ronde tourne autour de la question des biens communs et des générations futures qui sont quand même au cœur de la déclaration. Je commencerai par un premier tour de table sur la question de ces grands enjeux des générations futures et des biens publics pour que chacun puisse s'exprimer sur la manière dont, à son avis, la DDHU répond ou non à ses besoins. Je commencerai par vous, Dominique Bourg. Donc, vous êtes un philosophe engagé. Professeur émérite à l'université de Lausanne. J'ai un trou, Lausanne, merci. Vous avez été un soutien de la première heure de la déclaration. En quoi pensez-vous qu'elle est de nature à entraîner un changement juridique? Merci, chère Corinne. Je dirais que le premier intérêt de la DDHU, c'est de permettre d'instaurer un contrepoids
à une interprétation individualiste. Alors, une interprétation individualiste, ça consiste en fait à arracher les individus, et en fait, vous allez le voir, plutôt quelques individus, au collectif humain. Et soyons très clairs, en fait, et on le verra avec la notion de dignité tout à l'heure, c'est ce collectif transpatial, transtemporel, qui confère à chaque individu sa dignité. C'est en fait la primauté de l'humanité qui confère aux individus leur dignité. Donc arracher en quelque sorte les individus au collectif humain, c'est effectivement très grave. Alors on a l'arrachement individualiste, mais on pourra voir l'arrachement nationaliste. Vous l'avez aujourd'hui avec la Russie de Poutine qui prétend que l'humanité, c'est la culture russe. À telle enseigne que si la Russie était nucléairement détruite, nous a dit notamment la directrice de RT, Russia Today, eh bien finalement, l'humanité ne mériterait plus de vivre. Donc la nation absorbe l'humanité. Alors je vais revenir quand même sur la dérive individualiste, et en fait, me semble-t-il, elle est vraiment très prégnante aujourd'hui dans l'espace public, et je vais m'appuyer sur deux indices. Le premier indice, c'est que on constate quand même, du côté des plus riches sur cette planète, une volonté de se séparer du reste du genre humain, une forme de séparatisme. Oh, j'ai l'air, mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais si, par exemple, vous avez ce projet de construire une île artificielle sur l'océan pour y recueillir, en cas de difficulté, tous les riches de la Terre. Vous avez là, de toute évidence, une forme de séparatisme. Mais là, on va chercher les choses assez loin. Je vais vous ramener sur le sol français. Et je vous rappelle l'affaire des jets privés de la fin de l'été et de la rentrée. L'affaire des jets privés est vraiment une manifestation soutenue par quasi-totalité de la presse, de séparatisme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, l'histoire des golfs, c'est à peu près... Déjà, ce que vous avez de manière sous-jacente à cette affirmation selon laquelle, effectivement, si je suis très riche, il n'y a aucun problème, je peux, alors même qu'on éprouve un dérèglement climatique qui est largement au-delà de ce à quoi on s'attendait, mais ça n'est pas un problème d'y contribuer puissamment à partir du moment où nous sommes riches. Et là, en fait, à l'arrière-plan, vous avez la conception hobbésienne du droit. Tout obstacle est une entrave à ma liberté, parce que ma liberté d'individu, et c'est une forme d'interprétation de l'état de nature, est un absolu premier. Évidemment, c'est à l'opposé même de la définition grecque antique de la liberté. C'est la loi qui conditionne ma liberté d'individu. C'est la cité qui, si elle est défaite sur le champ de bataille, va me condamner à l'esclavage. Et si je n'ai abandonné à la nature, je n'accéderai pas à ma propre humanité. C'est la loi et c'est la cité qui font la liberté. Et si je me tourne du côté du précédent célèbre, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 89, bien là, vous le savez, la manière dont la liberté est définie, c'est une façon relationnelle et dialectique. Ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui, évidemment, réciproquement. On est plus proche de la Grèce, même si Locke était l'auteur principalement cité par les rédacteurs de cette déclaration. Eh bien, en fait, cette interprétation purement individualiste est une sorte, pourrait-on dire, si j'ose dire, de péché contre la morale. Ce que nous rappelle la morale kantienne, hein, vous en souvenez, je dois ériger la maxime de mon action en maxime universelle de l'action. Je prends un jet privé, je mesure le degré de moralité de cette action et j'imagine qu'il n'y a que des Bernard Arnault sur cette terre. Elle aurait rapidement disparu. Donc on voit bien que j'ai affaire à quelque chose d'absolument immoral. Alors on
peut rajouter aussi l'argument de l'exemplarité. Mais en fait, le primat de l'humanité consiste à me rappeler en permanence que je ne suis pas seul, que je suis précédé par ce collectif qu'est l'humanité. Et manifestement, et mille merci Corinne, nous avons vraiment besoin d'inscrire plus tard dans le droit positif international l'idée d'humanité. Elle est absolument fondamentale, et non seulement l'humanité, mais l'idée d'humanité telle qu'elle est interprétée dans cette DDHU, c'est pas une humanité toute seule sur Terre. C'est l'humanité, c'était rappelé d'ailleurs par M. Vichra tout à l'heure, c'est une humanité interdépendante des autres. Qui dit humanité dit élément du vivant. Et il y a une dignité propre au vivant en général. Et cette déclaration nous le rappelle. Merci pour votre attention. Merci Dominique pour ce premier point. Monsieur David Canter, vous êtes professeur d'études environnementales à l'Université de New York, mais également vous êtes professeur invité à l'école de droit de Sciences Po. Vous avez à la fois une vision scientifique et juridique, on peut dire les choses comme ça. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que cette DDHU, elle vous paraît pouvoir répondre à différents systèmes juridiques, notamment le système de chez nous, si je puis dire, germano-latin et le système anglo-saxon. Et comment vous la voyez en termes d'application concrète sur le plan juridique ? Merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes. Et tout d'abord, je m'excuse pour mon français, je suis moitié anglais, moitié suédois, comme vous pouvez le constater. C'est que la deuxième fois de ma vie que je parle en français dans un contexte professionnel, alors soyez patients avec moi. Premièrement, je pense qu'il est important de placer cette déclaration dans le bon contexte, de le relier à des concepts et des textes passés et présents qui lui donnent plus de poids et d'importance. En anglais, nous dirions que cette déclaration « stands on the shoulders of giants », repose sur les épaules de géants. Et je pourrais en choisir plusieurs géants, mais je vais me concentrer sur deux d'entre eux. Le premier qui a déjà été appelé ce soir, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, signée à moins de 4 km d'ici, dans l'ombre de la Tour Eiffel. Et cette déclaration contient un grand nombre de droits de l'homme fondamentaux que nous connaissons tous. Et en la relisant aujourd'hui, j'ai remarqué l'article 28, que nous connaissons tous par cœur, j'en suis sûr, qui dit que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. En effet, elle reconnaît la nécessité d'un ordre mondial stable pour que les droits de l'homme puissent être protégés et pour qu'ils puissent prospérer. Et les droits de l'homme sont impossibles à protéger dans un monde d'extrême, la violence extrême, un climat extrême, des changements extrêmes. Et la Déclaration universelle des droits de l'humanité décrit ce que cet ordre stable décrit cet ordre stable et les multiples interdépendances qui sont au cœur d'un ordre mondial stable, entre les humains et la nature, entre les générations et à travers les générations. Et elle met l'accent, comme Dominique Bourg a dit, sur l'humanité en tant que collectivité, à l'inverse d'une collection d'individus. Ce texte est également un étui important qui nous permet de rendre opérationnelle l'idée du développement durable. Le rapport Brundtland de 1987 a défini le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à l'heure. Et depuis l'an 2000, nous avons ensuite essayé de concrétiser cette idée en élaborant ou en mettant en œuvre des objectifs spécifiques, le plus récemment avec les Sustainable Development Goals, tels que l'élimination de la faim et de la pauvreté, l'éducation pour tous, etc. Et alors que nous nous projetons au-delà de 2030 et que nous commençons à réfléchir à la manière d'élaborer de nouveaux objectifs, à nos priorités et à la répartition des responsabilités, cette déclaration fournit un ensemble important de principes directeurs et une compass, une boussole morale à nos dirigeants politiques et aux parties prenantes. Cette déclaration indique l'ampleur aussi du changement nécessaire pour que les droits et devoirs décrits soient réellement protégés.
Il faut un changement systémique à une échelle que nous n'avons jamais vue. Notre système énergétique, notre système alimentaire, notre système de transport, peut-être même notre système économique, doivent être transformés si nous voulons tenir notre promesse aux générations qui viennent. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'optimiser les systèmes actuels et espérer que tout ira bien. Au cours du dernier siècle, les seules fois où nous avons vraiment réduit les émissions de gaz à effet de serre sont dans des périodes de crise. La Seconde Guerre mondiale, la chute de l'Union soviétique, la crise financière de 2007-2008, Covid. Nous n'avons jamais réduit nos émissions de gaz à effet de serre volontairement. En 2020, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont diminué de 6,4% à cause du confinement mondial. C'est le taux auquel les émissions doivent baisser chaque année si nous voulons garder une bonne chance de respecter les objectifs climatiques mondiaux. Et après chacune de ces crises, nos dirigeants politiques tentent naturellement de stimuler l'économie en adoptant des plans de relance massifs, mais ils n'en profitent jamais pour réorienter leurs activités vers une croissance plus verte. En fait, en 2021, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 5,3%. Ce qui m'amène à mon conclusion. Cette déclaration peut également apporter quelque chose de plus tangible, de question d'application. Quelque chose qui, je pense, est important pour beaucoup d'entre nous, et surtout pour les générations qui viennent. Il s'agit de la responsabilité, la capacité de demander des comptes à nos dirigeants actuels, qu'ils appartiennent au secteur public ou privé, à l'éducation, aux affaires, au gouvernement ou à la société civile. L'un des grands défis des problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés et qui sont complètement désynchronisés par rapport à notre cycle politique. Nos cycles politiques durent entre 2, 4, 8 ou peut-être 10 ans. Et les cycles climatiques, par exemple, fonctionnent sur des cycles de 10, 100 ou même 1000 ans. Compte tenu de ce décalage, comment pouvons-nous tenir les dirigeants responsables de leur inaction? Comme toujours, c'est la nouvelle génération qui nous montre la voie à suivre. Dans le cas de notre affaire à tous, nous voyons la société civile poursuivre en justice un gouvernement national pour son incapacité à agir avec suffisamment d'ambition. Et grâce aux nouvelles règles de devoir de vigilance, des entreprises comme Total peuvent être tenues responsables des dommages qu'elles causent au-delà des frontières de la France. Et ce document, cette déclaration, peut offrir une base similaire aux citoyens et à la société civile pour tenir nos dirigeants responsables de leur action et de leur inaction pour protéger notre planète. C'est dans cet esprit que nous devons saluer la signature de cette déclaration par Sciences Po. La signature de cette déclaration ne doit pas commencer et se terminer avec cet événement. Elle signifie plus d'actions pour faire face à la crise climatique, en plus de ce qu'ils auraient fait autrement. Et il est de votre responsabilité, en tant que membre de la communauté de Sciences Po, de tenir les dirigeants responsables du respect des droits et des devoirs énoncés dans cette déclaration. Alors, soyez utiles, et maintenant c'est à vous, et merci beaucoup. Asmik Barzegian, vous êtes une jeune femme engagée dans de nombreuses associations. Vous présidez le Parlement européen de la jeunesse pour l'eau. Vous êtes membre du Conseil mondial de l'énergie. Vous avez accepté d'être une jeune ambassadrice de la DDHU. Du reste, je lance un appel au peuple, si j'ose dire, et si par dans la salle, certaines et certains ont envie d'être ambassadeurs de la DDHU, welcome. Et je voudrais vous poser la question de savoir... En quoi ce texte peut vous être utile pour les combats que vous menez? En quoi peut-il être utile pour les combats que les jeunes mènent dans le domaine climatique et dans bien d'autres domaines? Madame Lepage, merci beaucoup pour l'invitation. Chers professeurs, chers étudiants, je commencerai mon discours avec une donnée qui remonte quelques mois, mais les jeunes dans le secteur de l'environnement connaissent très bien. Selon la revue scientifique et médicale Lancet, 3 jeunes sur 4 sont anxieux pour leur avenir. En Australie, en Inde, au Portugal, au Brésil, aux Philippines, environ 90% des jeunes trouvent l'avenir effrayant. Donc les jeunes, moi, vous, beaucoup de monde. Il y a encore des milliers de jeunes dans le monde, 30% de la population mondiale. Les jeunes sont témoins d'une aberration écologique. Donc, comment ce document peut nous servir
Ce document, pour moi, est un papier de tournesol. Vous connaissez le papier de tournesol, c'est à déterminer si une solution est acide ou basique. Voilà. Il devient rouge au contact d'une acide et bleu en contact d'une base. Donc, pour moi, c'est un papier de tournesol pour filtrer les projets et les actions qui sont vraiment pour l'environnement et le climat, pour détecter l'éco-blanchiment, détecter les aberrations écologiques. Comme exemple, bon, il y a beaucoup d'exemples de différentes parties du monde et essayons de lier la déclaration à différents exemples et dire que non, ça, c'est pas acceptable. Et nous, comme jeune génération, comme professeurs, comme représentants de l'intellectuel, du milieu intellectuel de la société, nous avons la responsabilité d'agir encore plus. Alors que les mesures se multiplient pour faire face à la crise climatique que nous vivons et pour sensibiliser les personnes à adopter les gestes écologiques, la nouvelle est tombée la semaine passée. Les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 se dérouleront au cœur du désert d'Arabie saoudite. Bon, cette nouvelle, ça a fait une dissonance cognitive dans ma tête parce que bon, vous connaissez tout le monde, vous connaissez que cette zone a de très faibles précipitations. Pour l'heure, Arabie saoudite ne figure même pas parmi les 86 pays où le ski est possible en extérieur, à la différence, par exemple, de l'Iran, de l'Irak ou du Liban. J'ai un respect profond pour les gens qui ont la créativité, qui initient des projets, mais bien sûr, il y a des limites à tout. Bon. D'autre part, une prochaine Coupe du monde de football, prévue cet automne au Qatar, dans des stades climatisés à ciel ouvert. Bon. La somme de ces deux informations produit vraiment un effet pas très confortable dans la tête. Il y a des liens qui ne se collent pas. Donc, c'est une aberration écologique que nieront ceux qui pensent que le génie humain ne doit pas être bridé par une quelconque idée de sobriété ou de retenue. Vraiment, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, combien de déchets, combien de millions de tonnes de CO2, combien d'activités forcément énergivores sont nécessaires pour artificialiser et réfrigérer des centaines de kilomètres carrés qui correspondent à des installations sur des sites encore désertiques. Au bout du compte, il faudra de l'eau. Venue d'où et comment? Ce sont des questions que vraiment nous avons envie de connaître les réponses. D'autre part, bon, pour conclure cette partie, je voudrais vraiment vous amener à l'idée qu'il est urgent d'arrêter les pratiques déraisonnables. Revenant à la déclaration, je voudrais vous faire part à une notion que dans les milieux de jeunes et dans le milieu des gens qui sont dans le secteur de l'environnement, ils connaissent très bien. Et je pense qu'il y a maintenant dans la salle aussi des jeunes qui militent pour ça. C'est écocide. Est-ce que vous connaissez c'est quoi écocide? Je ne vois pas vos mains. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent c'est quoi écocide? Levez vos mains. Bon, c'est déjà bien. Merci. Bon, pour faire simple, pour dire simplement, expliquer simplement, donc il s'agit d'un acte criminel consistant à détruire délibérément et en totalité un écosystème, que ce soit par le puisement complet des ressources d'une zone, de la mise en danger de son écosystème ou du trafic international d'espèces protégées qui y sont installées. Donc plusieurs exemples historiques témoignent d'interventions humaines ayant abouti à la destruction de grands écosystèmes, comme l'assèchement de la mer d'Aral ou la destruction des forêts du Vietnam ou du Cambodge. Donc, en général, les crimes environnementaux commis durant un conflit peuvent être jugés par la Cour pénale internationale, mais ce n'est pas le cas des dommages équivalents commis en temps de paix. Donc, la déclaration a vraiment un rôle important à jouer, que ce soit à faire avancer le droit pénal international dans le domaine de l'environnement et que ce soit aussi de sensibiliser à tous. Merci. Merci. Vous,
vous avez souligné quelque chose qui est patent, c'est ce problème de l'anxiété, c'est ce problème, s'il faut dire ça comme ça. C'est le sentiment d'anxiété qu'ont les jeunes et les moins jeunes, hein, je vous rassure, tous les gens conscients ont ce sentiment d'anxiété. J'ai parlé tout à l'heure de la nostalgie, hein, dans ce beau livre de Glenn Albrecht, sur les maux de la terre. Je voudrais peut-être demander à Dominique et à David de réagir sur les propos de Asmik. Et de nous dire comment est-ce qu'on peut, à partir de la déclaration, justement, répondre à ce sentiment d'anxiété et essayer de décrire, d'envisager un avenir qui soit à la fois possible, parce qu'un avenir totalement utopique, ce n'est pas la peine, et désirable. Dominique. Question qui n'est pas facile. Alors, je voudrais déjà, dans la continuité de ce que vient de dire Asmik, effectivement, cette enquête du Lancet de la mi-septembre de l'an dernier était très étonnante parce qu'elle mettait en lumière, peut-être pour la première fois, ce qu'on pourrait appeler un affect universel. Alors, pour ma part, j'avais été très, très étonné parce que j'avais plutôt tendance à penser que c'était une partie de la jeunesse plutôt bien formée qui était consciente de ses difficultés, sans doute une déformation professionnelle étant prof. Mais bon, et là, au contraire, on découvre que c'est un sentiment très diffus. Hein, c'est 10 000 jeunes sur... 25 000, je crois. Hein, 25 000 sur 10 pays qui ont été interrogés entre 16 et 25 ans. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très fort. C'est très compliqué de répondre parce que le chemin est étroit. Je le rappellerai peut-être tout à l'heure, mais on connaît déjà un degré de dégradation qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non... vivre sur Terre sera plus difficile dans là et les décennies qui viennent. Et en même temps, effectivement, ça ne veut pas dire que la vie va perdre son sens, ça ne veut pas dire que la vie ne mérite pas d'être vécue, et surtout, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'enrayer cette dynamique effroyable. Et en tant qu'enseignant, j'ai sans cesse été confronté à ça, comment dire les choses sans effectivement laisser les gens s'enfermer dans une dépression, une sorte de dépression écologique, et vous savez que les psychiatres ne cessent de dire ça. Ben, je vais vous dire, il y a une manière de ne pas déprimer, c'est d'agir. D'agir avec des fondements solides, à des DHU, mais de ne pas hésiter à agir dans l'espace public, dans la rue. Moi, je suis un fervent défenseur de la désobéissance civile, qui n'est pas du tout quelque chose qui va à l'encontre du droit, mais une attitude qui est faite pour faire accélérer l'évolution du droit quand on ne répond pas à des dangers majeurs par l'adoption de droits nouveaux. Voilà un activisme tout à fait favorable au droit. Alors ne vous gênez pas, les amis, en tout cas, c'est l'encouragement d'un vieillard qui a pratiqué la désobéissance civile. Vieillard, peut-être pas. David. Merci. Je vais répondre peut-être en anglais juste pour mieux m'exprimer. I'm sorry about that, but I tried my best in French. It's totally normal to be anxious. You'd be crazy not to be anxious right now. The planet is on fire. We've lost 70% of our wildlife since 1970. Of course, there are huge reasons to be anxious. But also to be implicated in this movement, you almost have to be pathologically optimistic. You have to find the hope. You have to, in some ways, constrain or transform that anxiety into a different form of energy, to act, as Dominique Bohr outlined. And there are many reasons to hope, small facts and big facts. There are 80% of the energy, new energy, that was installed last year was renewable energy and not fossil energy. There are more solar jobs now, jobs in solar in the United States than all fossil fuels combined, right? And even when you look at all of the national commitments that have been made to address climate change, right? And we're, yes, disappointed, and they should and need to go faster. But if all of the national commitments that have been made, both out to 2030 and the net zero commitments out to 2050 are actually implemented, which is a big if, we could stay below 1.8 degrees Celsius. Now, if you told me that when the Paris Climate Agreement was signed in 2015, that the collection of
national commitments that have already been made could lead us to a world of 1.8 degrees, I would have bit your hand off. There was no way that that could have been possible. So we need to now translate that anxiety into action. We need to hold our political leaders and all our leaders across the private sector and civil society accountable for their actions. And there are a variety of ways to do that, including this declaration. And finally, the thing that gives me hope, and this is where we have the advantage as teachers over our students, is that I'm facing the right way. You know, you're looking at me and one older person teaching this for several years. I'm looking at you, I'm looking at the next generation of people that know so much more about this topic and care so much more about this topic than people even 10 years, 15 years older than you were at your age. And so that's also what gives me hope. So, yeah. Thank you. Thank you. Alors, on va finir le tour de table avant de vous passer la parole. Je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Ici déjà. Il y a deux micros aussi dans les... Okay. Asmik, je repose ma question à vous cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que dans ce texte, il y a une force suffisante pour donner envie d'y aller et pour trouver les bases d'une pression juridique qui est aujourd'hui indispensable pour ce changement? C'est une très bonne question, mais moi je voudrais regarder la question d'un autre côté. Quand on lit la déclaration, c'est là qu'on comprend que tout n'est pas parfait. Donc je vous invite à lire la déclaration, et là il y a des points que j'ai soulignés pour moi, il y a des, que ce soit dans les principes. Par exemple, l'article 1. Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle. Donc, que ce soit entre les États ou entre différentes parties. Vous savez que l'équité n'est pas la même que l'égalité. Vous savez tout ça. Mais en fait, dans les discussions liées au climat, ce n'est pas toujours utilisé et ce n'est pas toujours évident. Donc, les pays industrialisés sont responsables des émissions et de la dégradation des écosystèmes pendant des décennies. Et les pays de G20, les plus puissants, sont responsables à eux seuls à peu près 80% de toutes les émissions de CO2. Donc, dans une situation pareille, si nous exigeons à tous les États de diminuer leurs émissions de la même façon ou de la même manière, c'est déjà une atteinte à l'équité, parce que notre but doit être plutôt l'équité que l'égalité. Et en général, les différences sur la façon de partager la responsabilité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'aide aux pays vulnérables au climat sont vraiment parmi les problèmes les plus difficiles et les plus anciens du processus climatique des Nations Unies, notamment la COP. Et la COP pourtant voit un accord négocié entre les gouvernements sur la base des émissions totales produites sur leur territoire. Les vrais gagnants et perdants seront vraiment les citoyens, qui est difficile à accepter, mais ça tombe toujours sur les épaules des citoyens, que ce soit à payer pour arrêter l'accélération du changement climatique ou que ce soit pour subir les effets. Donc, je vous invite à tous à penser et repenser cette différence et de l'équité et de l'égalité et essayons dans nos actions et dans nos combats mettre en avant cela. Voilà. Merci. On a une vingtaine de minutes, quart d'heure, 20 minutes pour des questions. Que ce soit un peu interactif, vous avez été extrêmement patient, très nombreux et patients. Donc je pense que les uns et les autres, vous pouvez avoir des questions à poser à ceux ou celles que vous souhaitez dans le panel. Alors, il y a une question là-haut, là-bas, oui. Allez-y. Bonsoir, merci pour toutes vos interventions extrêmement précieuses. Je m'appelle Willy Delval, je suis doctorant à l'université PSL. Et j'étudie la notion d'ingérence écologique dans la société internationale face aux risques climatiques, notamment dans le cas de l'Amazonie, sous Jair Bolsonaro.
Et la question que je voudrais vous poser, notamment à Madame Page, qui a cité l'ingérence ce soir, ainsi que la responsabilité de protéger, c'est si cette déclaration constitue un renouvellement de la part de la France ou de vos engagements de la défense d'endroits d'ingérence écologique à l'échelle internationale. Alors, ce n'est pas, monsieur, un engagement de la France. La France, à ce jour, même si beaucoup de villes françaises, beaucoup d'institutions françaises ont signé la déclaration, la France ne l'a pas fait en tant que telle, même si le président Hollande a beaucoup poussé, c'est ainsi. Donc, il n'y a pas d'engagement de la France. Si votre question est plus personnelle, vous m'interrogez sur le point de savoir si, effectivement, il faut reconnaître un droit d'ingérence, je pense que c'est une question qui est très difficile, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et les conséquences que cela a à un niveau international, effectivement, cette question de l'ingérence et jusqu'où l'ingérence se pose de manière très forte. Et vous avez raison, vous parlez de l'Amazonie. Effectivement, c'est le poumon du monde, l'Amazonie. La disparition de la forêt amazonienne est une catastrophe pour l'humanité tout entière. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un système qui reste très westphalien, où ce sont les États qui décident. Mais, voyez-vous, ce qui se passe, par exemple, avec la justice climatique, nous offre des perspectives. Et si la déclaration était plus largement, effectivement, reconnue, bien, je pense que ça ouvrirait, effectivement, des voies juridiques sur ce point. Mais peut-être les autres panélistes souhaitent-ils répondre, Dominique ? Oui, merci. Juste un complément. Outre la question du poumon du monde, c'est la forêt amazonienne joue surtout un rôle essentiel dans le cycle hydrologique mondial. Premièrement, si effectivement on rompt la continuité de la canopée, si on déforeste trop, tout ce système s'effondre, la forêt amazonienne devient une savane, et en fait, c'est un des points de basculement du système Terre possible. Donc là, il y a une contradiction frontale entre la prétention à la souveraineté d'un État, mais ça peut être la même chose vis-à-vis de la France dans d'autres circonstances, et puis précisément l'humanité. Là, c'est un danger pour l'humanité, la déforestation amazonienne, et là, les fondements scientifiques sont très clairs, c'est un danger pour le devenir de l'humanité et du vivant sur Terre. Mais comme vous le savez, M. Bolsonaro n'a que faire des sciences. David, vous voulez dire un mot là-dessus ? Je vais laisser pour les autres questions. Voilà. Autre question ? Je vois pas. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une question pour vous quatre, pas pour l'un d'entre vous personnellement. Enfin, même deux questions en vérité. La première, c'est tout d'abord quand on voit l'inaction justement des gouvernements qu'on évoquait dernièrement, pensez-vous qu'il faille être parfois... je voulais vous dire surtout que nos discussions, en fait, sont bien sûr très intellectuelles. On parle de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'il serait intéressant de mettre en place. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont les gens, les citoyens lambda qui portent des hommes et des femmes au pouvoir. Et c'est ceux-là qui sont en capacité de décider. Donc, comment rendre cette perspective-là enviable pour ceux-ci ? Vous en avez parlé, mais je pense qu'on pourrait davantage insister là-dessus. Et j'attendrai votre avis. Oui, alors très, très simplement, moi, je vous dirais que continuer à vivre, ça devrait être relativement enviable. C'est peut-être une idée qu'il faut répandre. Maintenant, toute la difficulté de la passe dans laquelle on est, c'est qu'on est les héritiers d'une vieille civilisation qui nous a amené à nous penser, d'ailleurs, justement, de manière séparatiste par rapport au reste du vivant. On s'est imaginé fin du XVIe, début du XVIIe siècle, avec la naissance du mécanisme, de la science moderne, que l'humanité était à part, qu'elle était la seule à posséder une intériorité, une intelligence, une sensibilité, et que le reste du vivant, animaux et plantes, n'étaient que des machines. Donc ça avait bien commencé comme affaire. Et effectivement, maintenant, on est confronté aux conséquences pratiques de cette chose-là. Et du coup, on s'est en quelque sorte enfermé dans une logique du toujours plus, dans une logique maximaliste. On a comme principe de nos démocraties de toujours
créer plus de richesses qui aujourd'hui nous confrontent aux limites planétaires, nous confrontent à des difficultés déjà en cours, mais qui vont s'accélérer. Donc c'est toujours délicat, parce que c'est sûr que pour faire face à ça, effectivement, il faudrait quand même accepter quelques formes de renoncement. Des renoncements nécessaires pour maintenir l'essentiel et pour savoir construire une façon sans doute plus ferme, plus solide du bien-être. Parce que chacun le sait, le consumérisme est une forme de piège, c'est quelque chose qui nourrit de la frustration. Et aujourd'hui, notre frustration débouche sur une destruction des conditions de vie sur Terre. C'est quand même absolument ridicule. Mais ce n'est pas facile de le faire accepter. Et très souvent, on va devoir en passer par des choses qui vont apparaître comme des formes de renoncement. Et en fait, l'expression qui veut que l'on ne fasse rien, vous la connaissez tous, c'est parler d'écologie punitive. Dès que vous voulez faire quelque chose d'utile, vous punissez. Donc, effectivement, ça n'incite pas à aller au-delà. Il y a vraiment une réflexion à reprendre sur le fond, sur ces affaires, et je vous y encourage, et j'y encourage votre génération. Mais c'est là que vous pointez le fait de la radicalité. Jusqu'où est-on prêt à aller, et quel sacrifice est-on prêt à faire pour ça? Est-ce que vous placez l'écologie au sommet de tout, ou... Ça dépend ce qu'on entend par le sommet de tout. En tout cas, c'est pas le sommet, c'est la base. C'est-à-dire que sans écologie, sans une planète viable, il n'y a pas de vie et il y a a fortiori moins de droits. Et donc effectivement, tout ce qui irait à l'encontre du maintien de la vie sur Terre, ce n'est pas quelque chose qui peut apparaître comme un bien. C'est quelque chose qui doit apparaître comme un mal. Mais attention, évidemment, quelque cause que ce soit peut donner lieu à des dérives. Donc il faut être très sourcilleux là-dessus. Et il faut pouvoir très précisément fonder son discours quand on exige quelque chose sur le plan de l'écologie. C'est pourquoi j'invite toute la jeunesse présente dans cette salle à être toujours très attentive aux fondements scientifiques, lorsqu'ils existent, de ce qu'elle avance. C'est fondamental, c'est une espèce d'éthique du savoir qui doit être le bréviaire de l'activiste en écologique. David ? Désolé, je vais répondre en anglais. I totally share your frustration with these sometimes, and I say this as an academic, right? Engaging, I'm paid to engage in these intellectual debates, but sometimes you're asking, well, what does this actually mean in reality? What can we actually do? And there are a couple of things that get me excited right now. Obviously, you should always organize and vote, and France is, you know, I'm usually based in the States, and just we don't vote as much as you guys do. So a couple of things that really get me excited that I think are more practical forms of action. In Europe, and in France particularly, the number of court cases being brought by especially young people against the government and against companies for inaction on climate change and other ecological crises, and the actual real world impact that is having, whether it's the Notre Affaire à Tous case, whether it's this new devoir de vigilance, which people can bring then companies to court for not respecting or being ambitious enough in their environmental plans. In the Netherlands, a small NGO brought the government to court, and the Supreme Court forced the government to comply with these ecosystem laws that they weren't otherwise complying with. So there is really interesting litigation out there. That it has very practical effects that you should think about and pursue. And I know the Clinique Juridique here at the École de Droit is doing a lot around that as well. And then finally, one of the most exciting things in the environmental movement in the past few years has been its growing diversity. Historically, the environmental movement has been, and I'm Exhibit A, I know, but a predominantly white and a predominantly male and a predominantly global north movement, talking about these abstract concepts of protecting ecosystems for future generations. Which sounds great, right? But what really makes, I think, what has changed, what has put the environment more front and center for a lot of people, in addition, obviously, to the crises that we're facing right now, is that we are tying in these issues of not just environment, but also social justice, environmental racism. It's showing how without nature, without environment, we have nothing, and also that the people that are on the front lines of a changing climate and of our environmental problems are those that have the least power, those that are the most vulnerable in society, which are often the poorest and the most vulnerable. And so building a more diverse coalition is also, I think, going to get us a much greater chance
of success than what we've had before. So I have hope. Asmik. Merci. Après l'anglais, il faut que je switch ma réflexion en français. Merci. Donc je parlerai pas beaucoup dessus pour laisser du temps aux autres à poser leurs questions, mais je pense que c'est une question de croyance. Il y a, dans beaucoup de cas, on voit cette expression qui dit « save the world, save the earth » ou en français « sauvons la planète ». Mais en réalité, il ne faut pas dire « sauvons la planète » parce que la planète toujours trouvera sa voie de se sauver. Mais il faut plutôt dire « sauvons nous-mêmes ». C'est ça la question. Si on change l'attitude, la perception du problème, ça va changer beaucoup de principes et va nous pousser à agir. C'est pas que nous mettons l'environnement au centre, mais c'est l'environnement qui, sans lequel nous ne pourrons pas avoir un développement et que ce soit durable ou en général économique. Je veux présenter quelques données dessus. Par exemple, pour la perte de biodiversité. Déjà, l'activité humaine a causé la perte de plus de 80% de tous les mammifères sauvages et la moitié des plantes qui sont à la base de nos systèmes alimentaires et de santé. Est-ce que c'est une question de sauver la planète? La planète va trouver la voie de régénérer. Mais nous, on va bientôt faire face à d'autres problèmes liés surtout à la sécurité alimentaire. Des écosystèmes biologiquement diversifiés capturent de grandes quantités de carbone et fournissent des avantages économiques massifs qui sont estimés à 33 milliards de dollars par an. Ça, c'est l'équivalent de PIB des États-Unis plus la Chine ensemble. Donc, je vous laisse la réflexion dessus que c'est une question de sauver nous-mêmes que sauvons la planète. Merci. Ouais, juste ajouter un mot. Si vous raisonnez à l'échelle individuelle et que vous êtes malade, qu'est-ce qui va être prioritaire? De vous guérir. Bon, vous n'allez pas vous demander si c'est plus important d'aller au travail ou d'aller faire des courses ou je ne sais quoi. C'est une question essentielle. C'est exactement la même chose. Nous sommes confrontés à un monde dans lequel notre maison est en train Jacques Chirac, de brûler, tout au moins de disparaître en grande partie. Par voie de conséquence, ce qui est essentiel, c'est de la sauver. Et ensuite, le reste en découle. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que ça vient après. Et c'est ça le changement de paradigme, c'est justement cela. C'est de réorienter nos choix en fonction des priorités. Et ça n'a rien de punitif, c'est simplement de la survie. Voilà. Quand on a compris ça et qu'on l'a intégré, le reste, je dirais, coule de source. Peut-être une dernière question qui permettra à chacun de dire un petit mot de conclusion. Oui, allez-y. Il y a deux questions. Alors, on va prendre deux questions, monsieur et madame. Madame. Donc, je commence. Allez-y. Moi, j'avais une question pour vous particulièrement. Quand on a fait, comme vous l'avez fait en tant que ministre de l'écologie, l'expérience du pouvoir, mais pas que, c'est-à-dire aussi de l'action, de la prise de décision, de l'expérience de la difficulté à établir un consensus et aussi parfois la confrontation à une certaine forme d'immobilisme, voire de résistance de la part de certains de vos collègues qui peuvent partager le pouvoir avec vous à ce moment-là, comme de nombreux ministres de l'écologie en ont témoigné. Comment on fait dans ce cas-là pour garder espoir en la capacité des acteurs du pouvoir à véritablement s'engager et à prendre des décisions qui aillent au-delà des bonnes intentions? Ça mériterait une soirée entière, vous savez, de répondre à cette question, monsieur. Ben, je vais vous répondre honnêtement. D'abord, je ne sais pas trop faire autrement. On cherche des stratégies de contournement. C'est-à-dire qu'on cherche à arriver à son but autrement. Voilà. Ça ne marche pas toujours, mais parfois ça marche. Voilà. Sinon, on peut toujours essayer de convaincre, mais
c'est généralement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de perdu. Donc, il faut essayer de faire autrement ou alors de trouver des alliés dans la société civile, en règle générale, pour faire pression et pour essayer d'aller dans la bonne direction. Mais vous savez, même quand on arrive à faire quelque chose, ce n'est pas toujours d'une grande efficacité. Vous voyez, j'ai fait voter une loi sur l'air qui, si elle avait été appliquée, ferait en sorte qu'il n'y ait pas 50 000 morts par an en France de pollution de l'air. Dommage, elle a été votée, mais jamais appliquée, donc très peu appliquée. Voilà. Donc, vous voyez, je suis modeste, hein, mais je pense que les temps changent et que ce que les mouvements, les organisations non gouvernementales font, les jeunes font, leur manière de voir la vie, les changements qu'elles induisent chez leurs propres parents, dans leur propre famille. Tout cela fait qu'il y a une pression qui monte dans l'autre sens. Et c'est ça qui est essentiel, parce qu'un décideur, il n'est jamais qu'à la confrontation de forces contradictoires et il essaye d'en tirer le meilleur profit. Mais on pourrait en parler pendant très longtemps. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelait « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». Ça ne voulait pas dire que j'avais rien fait, mais simplement que quand on voulait proposer quelque chose, on commençait par vous dire que ce n'était pas possible. C'était jamais possible. Voilà. Merci. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Pense que ma question aurait peut-être été un peu plus logique si jamais j'avais parlé avant, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai une question qui tourne autour du concept de convaincre. Parce que, comme vous nous l'avez dit, j'ai de l'espoir, même si je suis des fois un peu plus pessimiste. Et j'aurais une question à vous poser, c'est finalement, comme vous l'avez dit, la France produit 1% des émissions à effet de serre dans le monde, mais donc comment arriver à convaincre les autres gouvernements plus polluants et surtout pour éviter d'être finalement face à un mur à la fin? Alors, je vais vous donner un bout de réponse, puis je vais passer la parole à mes copanélistes qui concluront également. D'abord, nous, ce n'est pas 1%, hein, c'est 1% émis chez nous. Si on prend la totalité de ce dont nous sommes responsables, c'est plutôt 2,5%. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, il y a des gens qui font au moins aussi bien, si ce n'est mieux que nous. Hein. On n'est quand même pas non plus le nombril du monde, il ne faut pas l'oublier. Il y a des pays qui font des choses assez, assez formidables. Bon, ensuite, convaincre, si vous voulez, le président Hollande en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le problème des compensations. C'est le problème des compensations. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à des pays qui sont dans la difficulté économique de faire des efforts pour répondre à des dommages que d'autres ont causés. Il y a un problème. Problème. Et pourtant, on a besoin qu'ils fassent ces efforts-là parce que s'ils ne les font pas, c'est toute l'humanité qui va en supporter les conséquences. Mais quand vous voyez qu'on décide en 2009 à Copenhague de faire un fonds de 100 milliards, ce qui paraît une somme astronomique mais qui en réalité n'est pas grand-chose, et que 10 ans plus tard ou 11 ans plus tard, on n'est toujours pas fichu capable d'avoir rempli le fonds de 100 milliards, mettez-vous dans l'impôt d'un pays en développement à qui on dit tu vas faire des efforts et qui voit qu'on n'est même pas capable de faire ça. Voilà. Donc là, il y a convaincre, c'est aussi convaincre en prenant des engagements et en les tenant. Et ce qui est très intéressant avec la justice climatique, c'est qu'on a inventé quelque chose de nouveau, très nouveau. Les engagements engagent ceux qui les prennent, et pas seulement ceux qui y croient. Ça, c'est révolutionnaire, vous voyez, parce que le principe, c'est le principe inverse. Les promesses ne concernent que ceux qui y croient. Eh bien non, c'est pas de bol. Avec la justice climatique, les promesses engagent ceux qui les ont contractées. Ça, c'est très nouveau, mais c'est extrêmement important. Je dis ça en plaisantant, hein, mais c'est très important et c'est très sérieux. Voilà, je vais passer la parole à mes panélistes pour un petit mot de conclusion et de réponse éventuellement à cette question. David, vous voulez commencer? Bien sûr. First, I think it's important to realize that grâce à l'accord de Paris,
a lot of countries, the collection of commitments that have been made by countries, if they're implemented, this is the big if, but they have been made, their declarations, they can be held accountable for them, would get us to 1.8 degrees Celsius. So our great difi, our big challenge right now, is to hold those governments accountable for those targets. But countries, including China, including India, have made big commitments, have made big targets around reducing emissions or increasing use of renewables or transitioning their food systems. So that has happened. And the other thing I will say is just thinking about who we focus on in terms of our targets for action. We talk a lot about nation states. We also talk a lot about individuals and what we can do. And I think it's important to sometimes recognize that that focus on the individual is sometimes has been sometimes been on purpose by people that don't always have the best intentions, okay? So by that I mean, for example, British Petroleum, BP, was a huge champion of the idea of the carbon footprint. They didn't develop it, but they definitely mainstreamed it, right? And the idea behind that was to shift attention away, I think, from more the more systemic change, the big transition away from fossil fuels that needs to happen, and more towards what you can do as an individual. You need to recycle, you should bike more, you should buy a hybrid, right? You should make these decisions in the face of a system that doesn't want you to, right? And what we need to do is fight to change that system and make sure that countries are staying true to their commitments and that the people that would delay action, and when I say people, I really mean companies, and when I say companies, I really mean fossil fuel companies, right? Companies like Exxon that denied climate change for years, decades, and hold those people accountable too and sue them as well. So. Thank you. Asmik? Bon, il y a tant de choses à dire. Je voudrais continuer la notion de l'un des principes qui est mentionné sur l'article 12 de la déclaration, c'est Duty for Ecological Balance, les générations présentes garantent des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel. Donc, vous avez dit que la France contribue seulement 1% et Madame Lepage a mentionné que c'est 2,5%, mais en fait, imaginez combien de planètes nous faudrait-il si tout le monde vivait comme vous, comme nous, voilà, comme moi, ou comme les citoyens de la France, ou comme les citoyens des États-Unis, du Canada. Je ne sais pas, vous connaissez ça, il y a le jour de dépassement de la Terre. Donc c'est le jour de la dépassement de la Terre, marque la date à laquelle l'humanité a utilisé toutes les ressources biologiques que la Terre régénère pendant toute l'année. Donc cette année, le jour de dépassement de la Terre est tombé le 28 juillet. Donc ça veut dire qu'après 28 juillet, nous avons une dette envers la planète et nous devons la rattraper un jour, un moment. Oui. Donc pour la France, le jour du dépassement, c'est le 5 mai. Pour les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis, c'est le 13 mars. Donc, si tout le monde vit comme un Canadien, il nous faudra 5 planètes. Ben, nous n'avons pas. Nous n'avons que celle-là. Et si tout le monde vit comme un Français, il nous faudra presque 3 planètes. Donc, il y a encore, on revient à la notion d'équité, que dans le monde entier, ceux qui contribuent plus au changement climatique ne subissent pas de la même manière que ceux qui contribuent le moins. Vous savez que 2 degrés, que maintenant on dit 1,5, il faut faire tout pour arrêter le changement climatique jusqu'à 1,5 degrés, ensuite ils disent 2, ensuite il y a les rapports de GIEC qui dit si on va à ce rythme-là, ça sera 4 ou même plus. Vous savez que 2 degrés, c'est une condamnation à mort pour les îles. Donc, les immigrants climatiques frapperont à la porte dans les années et les décennies à venir. Donc, si vous voulez que les gens et des pays prennent plus de conscience du changement climatique, il faut leur montrer directement l'effet du changement climatique sur leur pays. Qu'il y a tellement de monde, des climate refugees, des réfugiés climatiques, qui auront besoin de la nourriture, des habitations, et ils viendront dans les pays qui offrent
des conditions plus favorables pour la vie. Si vous pensez que le changement climatique est loin, non, il va frapper à la porte aujourd'hui et demain. Merci. Juste un petit complément sur la responsabilité de la France. Effectivement, Corinne l'a rappelé, si on prend en compte les émissions importées, en gros, tous les pays riches consomment deux fois plus que leurs émissions directes. Mais si, en revanche, on prend en compte l'accumulation des émissions françaises, là, la France, elle toute seule, c'est 12% des émissions mondiales. Je vous répète, 12%. Vous trouvez ce chiffre dans le sixième rapport du groupe 3 du GIEC, hein, le groupe des économistes. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose sur la question de la conviction. Effectivement, en tant que ministre, on n'a pas tellement de choix. Hein. On a un mandat assez court, il faut aller vite. Et effectivement, comme on a des gens, pas simplement à convaincre, mais qui sont convaincus de l'inverse, c'est effectivement difficile. Puis en général, ils en veulent dans le sens opposé. Mais de manière plus générale, dans le concert des nations et par rapport à une population, c'est mon côté philosophe, moi je reste très attaché à la question de la conviction. Mais pour qu'une conviction puisse se faire, il y a des conditions, si vous voulez, de possibilité. Si effectivement vous niez vos responsabilités, si vous continuez à dire ben non, c'est pas notre affaire, nous on doit continuer à polluer, etc., c'est sûr que vous n'avez aucune chance de convaincre tous les pays qui sont dans les difficultés. Je vous rappelle par exemple un pays comme le Pakistan qui a vécu l'horreur cette année. Si vous mettez en regard les conséquences qu'il a dû essuyer, qui sont terribles, c'est un tiers du territoire qui était en partie détruit, des millions d'habitats détruits, plus de 10 millions lancés sur les chemins sans habitat, sans structure sanitaire, et maintenant des épidémies avec l'eau stagnante. Alors que ces gens n'ont quasiment aucune responsabilité dans la situation qui les a mis là où ils sont. Et de manière générale, par rapport aux citoyens, je ne pense pas qu'un régime autoritaire soit intéressant en matière d'environnement. D'ailleurs, en général, un dictateur, il n'est pas là pour s'occuper du bien d'autrui. Alors, vous imaginez, du bien des animaux, des fleurs, ce n'est pas tellement sa tasse de thé. En revanche, il est très important que toutes les populations comprennent de diffuser le savoir, de faire comprendre les raisons pour lesquelles on est là, ce qui nous attend, etc. Ça, c'est fondamental. Il ne faut jamais cesser de diffuser le savoir, de reconnaître aussi ses torts, donc de ménager les conditions de possibilité de la compréhension. Elle n'arrive pas toujours, parfois elle met beaucoup de temps, mais là encore c'est une question d'éthique. Nous avons une intelligence, on s'en sert, on est là pour essayer de convaincre autrui avec de bons arguments, ne céder jamais là-dessus. Merci Dominique. Voilà, il me reste à conclure, à remercier encore une fois Sciences Po pour son accueil, remercier les panélistes, vous remercier vous, qui avez été si nombreux. Il y avait 600 inscrits pour cette soirée, donc vous vous rendez compte, c'est un beau succès. Donc merci, merci d'être resté jusqu'au bout, merci pour vos questions et j'espère que vous avez été convaincus. Bonsoir.